c'était entre Maître Gougous avec Stanley Lucas. Nous connaît qui toujours et bien gain des accusations que lui-même l'a fait sur divers hommes politiques dans pays ou bien diverses personnalités. Et bien je dis à la gain professeur Gougous qui lui-même répond Stanley Lucas qui cite non à plusieurs reprises côté t'a accusé Maître Gougous de un paquet de bagaille et je dis à la et bien professeur a décidé pour le répondre Stanley Lucas et monsieur la gain un dossier là en tout cas et c'est pas nous pral dire ou lui même pral fort en dil et dans bouche Maître Gougous qui pral parler causer on pas quoi Stanley Lucas a jamais attaqué Maître Gougous encore après dossier ça et bien qu'il pral mettre dehors là mesdames et messieurs. Gros révélation en dedans et donc assistance sociale en pile chèque mort un paquet de chèques des milliers chèques mort qui au même et bien c'était et des monde qui pas même existé ou bien des faux noms ont créé et fait un paquet de chèques mort chaque mois ou t'as des paquets l'argent à payer et puis sortant des ati malheureux qui ont même à travailler en dans assistance sociale pas qu'à toucher et puis employé même à toucher quantité chèque mosayo et ben qui pas jamais existé vraiment et donc bagayo dégénéré et ben nous pral faut tande tout en détail en dans vidéo ça ou pral saisir tant de qui ça qu'a passé en dans assistance sociale avec un paquet chèque mosayo qui jodi a là et ben et donc nous découvrir corruption qui terrain et donc en dans assistance sociale et c'est là où parle Haïti donc il est difficile pour joindre et bien 30 ans sur 100 monde qui sérieux dans pays ça parce que son pays qui vraiment et donc couvert à corruption en tout cas nous parle fort de tout en détail en dans vidéo ça restez connecté bon écoute tout le monde n'a tourné bon n'a permettre moi on écart avant moi rentrer dans dossier ça. Mais on espèce d'individu du nom de Stanley Lucas qui dit que c'est voyou te voyé dans Scoop FM pour me parler Jovenel Moïse mal m'a répondu. Sous Louis Arnaud Guerrier, ministre des Affaires sociales en 88 et 89, m'a pas quitté le dossier. Je ne vais pas quitter le dossier. À vérifier ou même si je ne pas quitter. En 89, à Montréal, je ne vais pas quitter le dossier. Je ne vais pas famille qui ne l'est à aucune forme de massacre. La dernière. Je vais jamais travailler avec les forces impérialistes. Reste avec aucune institution américaine avec mandat de déstructurer mon pays. J'aime jouer rôle gigolo dans les hôtels pour sortir avec les petites blanches dans le souci d'améliorer la race. J'aime rester avec aucun président à toucher un cob pour me faire des informations, pour me créer événements avec intolérance d'une certaine presse haïtienne. Yo pas coupé chèque moi pour mauvais service et mon l'autre monde qui ont velléité présidentielle qui a payé en battable pour me attaquer moun ni ou et m'a tout profité d'ici cyber pas fait ça. Pas fait ça, pas fait ça ni pas. Vous écoutez parce que votre la caille moi peut-être nous même son rouge arrête nous gagne. Aïe, vous écoutez. Aïe, pas la femme. C'est quoi, bah? La mort à bon noir. Mangez-le bien. Jusqu'à présent, pas qu'au bon diarrhée. Jusqu'à présent, nous n'avons traîtrise totale. Parce que de 2011 à 2016, vous étiez les soufflants de chou, les restes avec de Michel Martelly. Et subitement, vous êtes debout en face de Michel Martelly. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous paie mieux. Respectez-vous. Fais ça le job là, mais respectez le monde qui est propre dans le pays d'Haïti. Je pas de dossier ça, yo, et pas faire bail plus détaillé. Je pas attaqué, je n'ai pas mal, ou c'est parce que je respecte comme professionnel ou défendre vendre ou décider de vendre connaissance ou vendre les gens voulés, chaque monde fait choix. Je n'ai jamais passé tout aucun pays. Je n'ai jamais resté avec aucun pays pour me déstabiliser mon pays côté me fait là qui est
haïtien. Nous connaissons très bien qui rôle ou t'es gagné dans Iri, les voyages incessants sur la frontière et les rentrées dans les avions privés nocturnes. Donc, pas bêtise à mon. Fonds posé. Faites job là. Les gars, ils ne vont pas aller parler, vociférer. Ça que vous voulez attendre, ça que vous voulez croire à quoi, mais pas essayer d'attaquer personne pour essayer de battre tout une espèce de crédibilité. Ils parlent encore. Avant de continuer, vous avez dit qui m'a dit, qu'est-ce qu'on t'y va, non, ça que t'es passé en 89 dans le ministère des Affaires sociales. Parce que vous connaissez bien des jeunes. Posez une question. Ok. Moi-même, premièrement, mon mal-être. Mon mal-être. Pour moi, la blancomanie de l'haïtien. L'article, bien rédigé, bien documenté, de reporter New York Times, là, que mon quoi qui est basé au Mexique, n'a rien appris de nouveau. Sauf, elle a eu le courage de citer des noms avec des marifications par rapport au trafic de la drogue. Mais ce qu'elle a évité de dire, et dans tout texte lien, c'est le rôle joué par le gouvernement américain lui-même dans l'affaire. Et c'est ça mon mal-être par rapport à cet article. C'est très beau de chercher des coupables un petit peu partout. Oui, ils le sont, mais il fallait aller encore plus loin pour voir le degré d'implication. Il ne faut jamais oublier l'actuel chargé d'affaires américain en Haïti portait bracelet rose. L'actuel chargé d'affaires en Haïti, M. Kenneth Martin, portait bracelet rose, ce qui est une violation flagrante de la Convention de Vienne. Et Kenneth Martin n'a pas qu'à permettre pour tel si le département d'État n'est pas d'accord et autorisé pour tel. De même, il y avait ce petit blanc-bec, Longinine, qui était ambassadeur de France à Didier Lebret. Boîte cadabouette, parce qu'on n'a jamais vu un ambassadeur aussi pleute, aussi rampant face à un pouvoir, c'est sûr, pas sorti raseux. T'es au moins lui-même au régime Breslaus, premièrement. Deuxièmement, convention de Vienne encore, aucun diplomate n'a le droit d'interférer dans les affaires internes d'un pays. Or, c'est monsieur, la demande de nationalité, son processus très long. Souvent qu'on a une nationalité en homme politique haïtien, est-ce qu'on connaît l'américain, il faut par-dessus tout écrire aux affaires étrangères avec une décision de justice qui montrait que d'une nationalité, ça mettait intérêt pays en danger. Or, subitement, M. Merten s'est substitué au bureau qui s'occupe de la citoyenneté américaine et déclaré sans papier, non même, sans preuve, que l'IPACON, Michel Martelly, était naturalisé américain. Et en partie, M. Merten a bien raison. C'est pas aux États-Unis, il ne s'appelle pas Michel, il s'appelle Michael. Et je crois que Gonne qui t'a prévité le tout le temps, même si je n'ai pas d'accord sur certains bagailles, mais ses vieux amis, ses vieux frères, je suis content de sortir en prison. Hein. Okay. C'est Anel Bélisère qui est toujours là, pas la palais de Lille, toujours à Lille, Michael Martelly. Donc, on est clair. Même parce que nous-mêmes, Haïtiens, nous ne pas faire un amalgame non plus. Parce que c'est New York Times, son Bible. Il y a des failles aussi dans certaines affirmations qui ne montrent pas côté dossier en fin bien ficelé. Deuxième élément, je pense que les Haïtiens n'ont pas encore pris conscience de la dimension de tel acte. L'assassinat d'un président, pas n'importe où, en sa résidence. Et en même temps, tout une barrière pour nous manquer. La communauté internationale a fait passer l'assassinat de M. Jovenel Moïse, président de la République, élu dans les conditions qu'on sait, dirigeant dans les conditions que nous connaissons. Vilipendié, rejeté. Communauté nationale, là, c'est qu'un coup, un banal accident. C'est-à-dire que la communauté internationale avait déjà laissé tomber le président Moïse. Moi, je me souviens, l'autre est tué à Anwar Sadat en plein défilé militaire au Caire. On en a parlé pendant des semaines.
l'entendez que y a été tué un président bien dans qui pays en Afrique, on en a parlé pendant des semaines. On a tué monsieur Jovenel Moïse, même gars du président, c'est quand on n'est pas qui dame qui mouille. Donc la communauté nationale, à la limite, semble-t-il, était bien contente de se débarrasser de monsieur Moïse, où il y avait des intérêts tellement importants que tout le monde s'est tué. Et c'est pour moi le seul avantage de l'article du New York Times. Il y avait tout un pan de bagarre que Nabdi à voix basse, l'écrit, le pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Et New York Times, pas que ce soit un article de cette envergure, pour rédacteur en chef, là, pas invité, pas informé les organismes américains spécialisés dans la sécurité. Nous étions well dans le film sous Watergate, là, l'homme a sorti, FBI a été là, dit monsieur a sorti parce qu'il n'y a assez de preuves. Dame n'a pas pris chance, sorti un article pareil, citer des noms pareils, jusqu'à se demander qui ça, cet monde a fait toujours aux États-Unis, qui j'en fais cet monde pour gagner des poursuites judiciaires, si elle n'avait pas informé les grandes autorités chargées de la sécurité aux États-Unis. Professeur, ce que je regrette, ce que je regrette par contre sur ce moment, c'est un petit peu l'isolement du juge chargé de l'instruction. Un dossier pareil, quel que soit le pays du monde, il n'y a pas qu'à gagner un seul monde qui a traité. Il n'y a pas qu'à gagner un monde qui a traité. Certes, l'instruction est secrète. Certes, le rapport de la DCPJ est confidentiel. Mais on sent qu'il y a un poids 50 dans ce dossier. Il y a quelque part où on voudrait faire taire certaines personnes. Il y a quelque part où on ne voudrait pas que... Il y a quelque part où on voit que la vérité dérange. Vérité est trop lourd pour le sortir. Et penser que le juge, sauf les convocations, sont publiques, les entrevues sont privées, et la non-aberration dans le pays, quand on paye privé, pour l'ancien garde des Sceaux, c'est pas important, hein? Ancien ministre de la Justice, membre du Conseil supérieur de la police nationale. Tout ce qu'on a fait sous le bureau là, tous ces chèques handicapés vieillards, qui pas handicapés vraiment, qui pas vieillards vraiment, tout est net et puis payroll fini. Un mois payroll a fait valer, il finit. Première fois payroll fait 4 reprises. Il n'y a jamais fait 4 reprises, il a toujours fait 1 reprise. Mais tout ce qu'on a fait là net, toute boîte 14 ans, regardez encore ces chèques, c'est pour employés. Et l'employé dit, mais du fait, il a boulé, il a fait dire que ça pas rentré, il a tué nous, il a banni tout le pour chèque là, que n'y a pas pris un chèque malheureux. Chargé à moi, moi fait quelqu'un là, tout ça c'est moi, regardez, oui. Tout c'est moi, oui. Et matin, moi, nous avons fait payroll, comment ça y est? Payroll, ouais, matin, c'est dernier payroll, là, nous avons un mois à faire payroll, c'est reprise liée. Nous sommes 4 reprises. Tout le monde a cité là, il y a une pile de en bras le mouton, tout ça c'est chèque que le monde ne vient pas encore. Il y a une boîte 4 de plein, même genre. Vous citez nous plusieurs fois, ouais, absent. Absent même 4 fois, absent. Il y a une bavine, absent. Ouais, absent. Absent, pas de mettre chèque. Tout absent. Pas de grand monde qui vient pour eux, ouais, absent. Ou cité aux 7 fois. Pendant un mois, on a cité tout nos sauvages là. Il n'y a pas venu. Mais avant ça, tout chef ça, tu connais aller. Par contre, il y a une graine qui était chaque mois, chaque fois, touché, tout le monde touche le fini. Mais fois ça, par contre, une graine qui prend. Et puis, il n'y a pas venu dire tout ça, peut-être ça. Mais ça ne peut pas là, qui fait qu'on n'y a pas venu chercher chaque fois. Parce que nous connaissons que nous avons besoin d'argent pour vivre. Ce n'est pas pour nous, c'est pour employer, nous avons les mêmes gens encore. Employer, ce n'est pas malheureux, il y a chaque fois vraiment. Il n'y a pas malheureux en teasing, employer, il y a 3 cas. En quel nous voyons comme ça, qu'on a dit que ça pas rentrer dans le système, ça les employés aux jeunes chèques. Et bien, comme les employés aux jeunes chèques, ils disent qu'ils ont éliminé, ils ont fait tout le bail et tout. Et après, là, c'est dire que c'est ça qui prend en charge pour le payer mon même. Exactement. Pour éviter les gargotes, ils ont comme payé mon yo. Ils ont cité non malheureux. Ils ont chité à prendre chèque depuis 6h du matin jusqu'à 5h après-midi. Ils n'ont pas jamais payé au chèque là, ils ont dit que c'était non, le chèque là qui est en disparu déjà. Toujours que quand bis là, gen moun là qui pour changer chèque pour yo, gen ici derrière, pour on excité non ba ici à chèque là, ici à prochain chèque là la lavelle et puis moun n'a pas jeune chèque là. On a suivi. Suivi, tout chèque ça retourner dans finance pour passer pour mettre financier et puis pour comme la cage malheureux, on va dans 10 départements, dit ça ba Jérémy s'il pas gagne. Si au cas pas gagne, dit ça ba si grande pas gagne, dit ça ba si au cas pas gagne, dit ça ba tout monde qui dans nécessité besoin chèque. Ah oui, dit oui, appelle éliminer direct ça pour ça. Il y a un employé même qui relève dans le téléphone, il dit pour moi rentrer dans le petit chèque, ça va pas le vague, on va faire 6 mois, il y a éliminé, il faut aller, on va prendre dans le CAS. Comment tu as vu dans ça?
Oh, il va faire mission, il fait son beau travail à faire. M'appelle. Qui a pas identifié là, m'sou employé. Ma bon nom, oui, gué, noua, gué, tous ces employés, oui, oui. Employé, puis on dit, y a beaucoup de poudre, y a beaucoup de zombies, y a fait fusion, là, y a pas éliminé. Bon nom, oui. Ou dit, diable, bonjour, là, bonjour, vas-y, bonjour, là, bonjour. Bâton. Employé CAS, qui a plus que 20 ans CAS. Et puis, on peut tout le monde prêt pour dire que ça a eu le téléphone, by pression pour avoir un petit chèque là. Et puis, malheureux, par agent, non, malheureux, mouille grand goût, la fin, tout est malheureux. C'est pas juste. Combien de chèques nous passez? Là, on croit qu'il y a plus que 5 000 chèques. Regardez tout, tout ça, c'est chèque. Il y a plus que 5 000. Et puis, finance a sorti chaque mois, il y a touché les chèques, puis on le fait bien. Et puis, malheureux, pas chambre, je n'en ai. Il n'est pas juste. Par rapport à sa corruption, ça, est-ce que ça reste par contre sanctionné? Ah, pour sanctionner, c'est le gouvernement qui a sanctionné, c'est pas dire ça. Là, on peut mettre tout le monde, le jeune, tout chèque qui paye, mettre la première, et puis, le gouvernement prend des décisions lui-même. Est-ce que Eh bien, Absalon, vous grand merci parce que pas d'accord entre dans rubrique si un zombie si un bail volé. Absalon, c'est comme ça pays hier, nous connaissons ça bien. Donc que doit avoir demain si je veux son pile fatra parce qu'on fait travail là bien, c'est comme ça. Pas perdre ni tout yo. Oui, pirate depuis dire que ça toujours là. Comme il dit il pas prêté hein. Il dit depuis la paix ça, la paix éliminer échec qui zombie yo, il pas prêté faire 6 mois depuis l'éliminer échec il a éliminé le tout. Mais quel est le plus échec zombie que mon a touché? Naturellement. Il y a 4 fois échec zombie que mon a touché. Mais est-ce que la fait maintenant pour nous suivre peut-être grand pile là qui va ici oh, on a prêté là, on a suivi jusqu'à ce grain qui vient, on a baillé, mais nous avons un mois, on a fait ça pour que je me voie. Un mois. Mais il va arriver, quelqu'un peut arriver l'autre monde pour aller chez tout. Gain y aurait les vins pour yo yo dit à faire remplacement l'un par l'autre il a remplacé par un tel il pas besoin encore il a tel moun il a remplacé par un tel mais j'ai son mandat pour moi il y a plusieurs moun qui fait mandat gain faux mandat gain bon mandat il fait toute bagarre pour le prochain là comment relé même Yves Rose qui sont en CRS mais avec directrice ça m'a fait social c'est toujours même branche merci.